Thank you.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen in tribu ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ini Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, que peccabinus cogitatione verbo et opere. Mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Inem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Vos Fratres, ora repromi ad Dominum Deum Nostrum. Amen. Serea tu vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris per lucat vos advitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum nostrum tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostene nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Cabe Deus edicione causa meam de gente non sancta ab omnia nico de los soe qui peme, qui atu est Deus meus et fortitudo mea. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam et deduxunt et adduxunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua. Judicame Deus edicione causa meam de gente non sancta ab omnia nico de et doloso eri peme, qui atu est Deus meus et fortitudo mea. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremus, presumus omnipotens Deus familiam tuam propitius espice, ut te largiente regatur in corpore, et te servante custodiatur in mente. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lecture de l'épître de saint Paul aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu comme grand prêtre et des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Sepe expuniaverunt mea juventute mea, dicat nunc Israel, sepe expuniaverunt mea juventute mea, et eni non potuerunt mici supra dorsum meum fabricaverunt peccatores, prolungaverunt iniquitates suas, Dominus Iussus concedit cervices peccatorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Issu du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?
Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père. Et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde mes paroles, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu, et vous, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se déroba et il sortit du temple. Chers fidèles, voici pour ce matin les annonces. Nous sommes le dimanche 17 mars, premier dimanche de la Passion. Ce soir à 17h, cinquième conférence de carême par M. l'abbé Bourrat, suivie du salut du Saint-Sacrement. Et les vêpres sont avancées, comme tous les dimanches de carême, à 16h30. Demain, lundi, de la Ferie, à 17h45, première vêpre de Saint-Joseph. Mardi 19 mars, fête de Saint-Joseph, fête de première classe. Pardon. À 17h45, deuxième vêpre de Saint-Joseph, et à 18h30, la messe sera chantée. Saint-Joseph est le patron de l'Église universelle. Mercredi 20 mars, de la Ferie, à 18h30, messe chantée des étudiants. Jeudi 21, de la Ferie, à 19h30, cours de catéchisme pour adultes. Vendredi 22 mars, Notre-Dame des Sept Douleurs, fête de première classe dans la fraternité Saint-Pie-X. À 17h30, chemin de croix, et la messe du soir sera chantée. Samedi 23 à 11h, cours de catéchisme pour adultes. Et dimanche prochain, 24 mars, dimanche des Rameaux, avec les horaires habituels. Sauf pour la messe de midi et quart, dimanche prochain, qui aura lieu à 12h45, qui est décalée donc d'une demi-heure. Annonce complémentaire, donc ce soir, l'abbé Bourrat nous parle du regard de Jésus et de Marie pour son avant-dernière conférence de carême. N'hésitez pas à venir ou bien regarder sur Internet, on peut voir sa conférence retransmise. Demain, lundi, à 18h30, à la demande de l'abbé de Jorna, la messe du soir à 6h30, sera la messe pour la rémission des péchés, et ce, pour réparer les péchés d'avortement. Et après la messe du soir, donc, il y aura la consécration du Jean Romain au Sacré-Cœur de Jésus, récité par le prêtre. Toujours demain, à 19h30, à l'Institut Saint-Pie-X, dans le cadre des conférences de géopolitique, conférence de M. Antoine Delacoste sur le thème suivant, « L'Égypte ou l'islamisme vaincu ». Mardi 19 à 19h30, à la crypte, réunion de la conférence Saint-Vincent de Paul. Et notez que mardi 19, le cours de doctrine approfondie aura lieu après la messe de 18h30. Dimanche prochain, 24 mars, pour les Rameaux, la bénédiction des Rameaux aura lieu à 10h30, place Maubert. Cette même bénédiction sera donnée sans solennité après les messes de 8h, de 12h45 et de 18h30. Donc, notez que la messe de 12h15 est retardée à 12h45. Et dimanche prochain, pour sa dernière conférence de carême, M. l'abbé Bourrat nous parlera de la phrase de l'Évangile « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Pardon. Les confirmations se rapprochent, elles auront lieu le dimanche 12 mai. N'hésitez pas, chers fidèles, à vous inscrire dès maintenant pour faciliter l'organisation, dont les frais d'inscription se trouvent soit à la procure au fond de l'église ou à la sacristie. Elles sont également
téléchargeable sur le site de Saint-Nicolas du Chardonnay. Le denier du culte, merci aux personnes qui ont pu le payer depuis le début du carême. Je rappelle que c'est Saint-Pédis qui l'a institué. Il permet aux prêtres et religieux de la paroisse de vivre, logement, nourriture, assurance, maladie et retraite. Il est dû en justice par tout catholique qui a des revenus, salariés, travailleurs indépendants, retraités. Un grand merci, chers fidèles, pour votre générosité bien nécessaire. Et je rappelle qu'une messe mensuelle est célébrée pour tous les bénévoles, mais également pour tous les bienfaiteurs de la paroisse. Et avec un peu d'avance, j'annonce un pèlerinage en 2025, en août, les 19, 20 et 21 août 2025, pour l'année jubilaire. Comme en l'an 2000, il y aura un jubilé donc mondial en 2025, et la Fraternité organise un pèlerinage à Rome. N'hésitez pas, si vous le pouvez, dès maintenant, à réserver ces 3 jours de grâce dans votre agenda. Et je rappelle les conditions pour faire ces Pâques. Notre mère d'Église demande à tout baptisé le devoir de communier une fois par an pendant le temps pascal. Ce temps commence aujourd'hui, 2 semaines avant Pâques, et se termine 2 semaines après la fête de Pâques. Et évidemment, cette confession doit être faite en état de grâce, donc il est bon de se confesser une fois par an, spécialement au temps pascal. Et il y aurait une faute grave à ne pas donc accomplir ces 2 commandements de l'Église qui nous le demandent pour notre bien spirituel, évidemment. Je laisse la parole à M. l'abbé de Sainte-Marie qui va nous parler de la Mélisse de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre monde déchristianisé, les monuments religieux comme cette église sont des bâtiments dont le sens est, pour ainsi dire, oublié ou caché pour la plupart des gens qui le voient ou qui même le visitent. Il existe nombre de personnes qui sont capables de faire visiter ce bâtiment, de décrire le sens des œuvres d'art qui s'y trouvent, les tableaux, les statues, les autels latéraux, les monuments funéraires, l'autel central. On peut étudier le type de colonne qui est de chapiteau qui orne cette église. On peut admirer la beauté de l'orgue, apprécier un concert de ce même orgue, venir écouter un concert spirituel. Mais en s'arrêtant à l'aspect historique ou artistique, et vous concevrez bien que c'est un intérêt qui a certes une certaine valeur, mais qui est incomplet. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à ces aspects-là de ce bâtiment. Parfois, si vous passez sur le parvis de Saint-Nicolas, vous voyez un binôme de personnes qui abordent les gens dans la rue, donc qui abordent les gens qui passent sur le parvis, et qui cherchent à faire visiter l'église pour que les gens soient attirés par cette beauté, cette majesté du bâtiment. Mais leur but n'est pas que les gens qu'ils abordent prennent juste un moment de curiosité intellectuelle ou esthétique
mais bien qu'il se pose la question de ce que cette Église signifie, de ce qu'est sa fonction. Il cherche à faire en sorte que les gens se posent la question sur l'essentiel de la vie. Et bien sûr, ces personnes qui abordent les gens de temps en temps sur le parvis, qui travaillent en binôme, ils vont centrer leur discours sur ce qui se passe à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe à l'hôtel ici, c'est l'accomplissement, c'est l'application de la rédemption acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la fonction principale de l'Église en tant que bâtiment, cette Église en particulier ? C'est d'offrir le sacrifice du Christ par la main des prêtres ordonnés, qui continue le sacrifice sanglant du Christ, par lequel notre Seigneur a honoré son Père et a obtenu le salut de nos âmes. Il nous a obtenu cet héritage éternel dont parle l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Si on voit des personnes capables d'aborder des gens dans la rue pour leur faire se poser la question de quel est ce bâtiment, c'est parce que ils se sont engagés à cela. Ils ne sont pas des guides artistiques, ils font une œuvre spirituelle. Et comme toute œuvre spirituelle, il faut une vie spirituelle profonde pour pouvoir obtenir des fruits. Obtenir des fruits, c'est-à-dire des fruits de conversion. Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'exciter la curiosité des gens, mais bien de les toucher au fond d'eux-mêmes, de les convertir. Cette œuvre, Militia Mariae, c'est l'héritière de la Légion de Marie fondée par Frank Duff, un Irlandais. Avec ses premiers compagnons, ils ont décidé de faire une association pieuse de laïcs, la Légion de Marie, qui est très organisée avec toute une règle de vie, avec des procédés, des méthodes d'apostolat très organisées, avec surtout, bien sûr, une vie spirituelle et des actions spirituelles à mener quotidiennement, des prières à dire, à réciter quotidiennement. De même qu'une congrégation religieuse a une règle de vie, eh bien cette association de laïcs catholiques a aussi une règle de vie et des prières à dire. Tous les membres de la Légion de Marie sont donc d'abord amenés à prier, et les membres donc de la milice de Marie, à la suite de l'exemple de la Légion de Marie, en reprenant les mêmes méthodes, la même règle, eh bien, prient. Il y a donc deux groupe dans la Légion de Marie, les membres actifs et les membres priants, mais tous prient, et tous ne font pas forcément d'apostolat. Mais comme la conversion est une œuvre essentiellement surnaturelle,
Il est donc nécessaire que la vie de prière soit la base de tout apostolat. Et parmi tous ceux qui prient dans la milice de Marie, eh bien, il y a les membres actifs qui ont des obligations d'apostolat extérieur. Utiliser l'existence de cette Église avec toutes ses qualités, c'est une des particularités de ce qu'on appelle le présidium de Paris, puisque la milice de Marie est divisée en divers présidiums, présidia, qui sont répandus sur toutes les prieurés du district de France, et ils se réunissent sous la direction d'un sénat. Le présidium de Paris, donc, utilise cette église pour les céder dans l'apostolat, comme un argument apologétique. Mais il y a d'autres façons de faire de l'apostolat. Aller voir les gens chez eux, les supporter spirituellement, et ça c'est sûr, le soutien spirituel est une des grandes activités pastorales de ceux qui sont les membres actifs du présidium. Porter les gens à la prière, porter les gens à la conversion. Voilà le but immédiat de l'action apostolique de cette milice de Marie. Dans le contexte actuel, les catholiques constatent que les opinions des gens sont multiples, que les convictions sont aussi nombreuses que toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et cela suppose donc de bien connaître les arguments, les objections qui vont être données à la vérité catholique. C'est pour cela aussi que les membres actifs, au cours de leur réunion bimensuelle, non seulement racontent leur apostolat pour s'améliorer et évaluer leur action et aussi voir quelle a été leur efficacité, mais ils cherchent aussi à se former pour trouver des meilleurs arguments, pour essayer de répondre aux objections contre la vérité catholique. Alors, vous voyez, c'est une belle œuvre que d'être présent régulièrement sur le parvis de Saint-Nicolas et de s'adresser aux gens qui passent sans les connaître, pour les aborder et leur dire « Posez-vous la question. Visitez cette église et posez-vous la question sur votre propre existence. » Une des actions qui est la plus fréquente, c'est aussi de donner à ces personnes qui passent la médaille miraculeuse, et de leur parler, bien sûr, du rôle tout spécial de la Vierge Marie. Parce que, dans la continuité de l'esprit de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, les membres de la milice de Marie cherchent à faire arriver à Jésus par Marie. Mais ce bel apostolat, comme tout apostolat, il a une contrainte, il est exigeant, et la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Tout à l'heure, à la sortie de la messe, vous aurez des membres de ce présidium de Paris qui vous attendront et qui vous proposeront un petit tract et vous demanderont peut-être si vous voulez vous inscrire à la milice de Marie pour devenir membre priant ou membre actif. Il ne suffit pas d'admirer ce qu'ils font, mais aussi de les rejoindre si vous en avez la capacité, si vous en avez le loisir. Et faites-le parce que les gens sont comme des brebis qui errent sans pasteur. Et ils passent à Paris, peut-être ils y vivent, ils sont entourés d'églises, mais ils ne perçoivent plus le sens de ces bâtiments et personne ne leur donne vraiment la clé. Personne ne leur dit pourquoi ces églises ont été bâties, dans quel esprit. Alors oui, il faut des ouvriers, toujours plus nombreux, pour la conversion des pécheurs, pour la gloire de la Vierge Marie, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas donc à vous poser la question et à répondre généreusement si vous sentez cet intérêt que vous pourriez avoir en tant que catholique pratiquant à témoigner de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia secula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exterram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filio quae procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Confitebor tibi Domine in toto corde meo, retribue servo tuo, vivam et custodiam sermones tuos, vivificam esse secundum verbum tuum Domine.
Ora te patris, omnipotentem, per omnia secula seculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratia sagamus Domino Deo nostro, veredinum et justum est, cum et salutare nos tibi semper, et ubique gratia sagere Domine, Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui salutem humani generis in hoc crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in igno vinciebat in hoc quo vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem aestatem tuam laudant angeli adorant dominationes remum potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim soci exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas et precamur supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in Domine Domini, Hosanna in excelsis. Nobis quoque peccatoribus.
Per omnia secula seculorum. Oremus, precipi salutaribus, monite divina institutione formatio de musicere. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus equitol dis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitol dis peccata mundi. Agnus equitol dis peccata mundi. Confiteor de omnipotens, et gloriae sancti Virgen, et adiuvare ad hominem, et vivi latis, sancti sacerdotes et peccatorum, dominum sanctum et sanctum, et regem in excelsis sum et in Misereatur vestri omnipotens, eus et dimissis peccatis vestris, per lucat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum vestrorum, tibet vobis omnipotens et misericors Dominus. Et cianius ecce quitolit peccata mundi, Domine non sum dignus, et in tres subtecto meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus et in tres subtecto meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea.
Domine non sum dignus ut in tres spectum meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea.
Corpus quod pro obistra deturi calix novi testamenti est in meo sanguine dicit dominus ac facite quoties cumque sumitis in meam commemorationem. Dominus vobiscum. Oremus. Adesto nobis Domine Deus noster et construis mysteris recreasti perpetuis defende subsidiis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum hoc erat in principio apud Deum. Omnia plesum fata sunt et sine ipso factum est nic et hoc factum est. In ipso vitae erat lux omnium et lux in tenebris lucet et tenebriam non comprehendeunt. Quid homo missus ad eo cuinum enerat Ioannes, sic venit in testimonium per iberet de lumine omnes crederent per illum. Non erat ille lux et lux testimonium per iberet de lumine. Erat lux veraque illuminat omnem enem veniant amnium mundum. In mundo erat et mus spes un fatus est et mus seum non cognovit. In propria venit et suium non receperunt. Quod totem receperunt eum dedi Deis potestatem fios Dei fieri. Iscui credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus nec osunt ad carnis nec osunt ad viris et ex eo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigenitia patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Regina Caelorum.